Bonjour mes petites fourmis, c'est Artemis du serveur 46 et j'espère que vous avez la pêche. Nous allons parler de nouveaux bâtiments. Il y a beaucoup de nouveautés ces derniers temps. Le jeu de fourmis évolue énormément. Et aujourd'hui, nous allons parler du bassin de transformation de soldats. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, donc vous devez d'abord construire le bâtiment. Le mieux est de le construire au minimum niveau 10 pour avoir le nombre de slots de transformation de 3. Vous pouvez récolter des items coffre soldat soit via des packs, soit en faisant vos missions quotidiennes pour les 500 points. Les coffres rares, il y a un event qui va être fait, mais on ne l'a pas encore eu. Et le coffret mix, c'est obtenu par l'épreuve de courage, c'est-à-dire avec le pangolin. Une fois que vous avez des items, qu'est-ce que vous allez avoir? En fait, au niveau 10, mais vous allez avoir les 3 slots, celui-ci, celui-ci et celui-ci qui vont s'ouvrir. Et vous aurez 2 slots ici. Ce slot-ci va s'ouvrir quand vous aurez les 3 slots ici niveau 5. Et donc vous aurez coopération ici qui va s'ouvrir. Et quand vous aurez débloqué après avoir activé coopération 2. Et la coopération 2, il faut transformation de soldat niveau 10 et il en faut 3. Et donc vous voyez, vous avez des bonus en fonction de ce que vous avez débloqué. Niveau 20, les vitesses, vous voyez les PV qui sont ici. Et à chaque fois c'est bien marqué, hein. Donc, transformation de soldat niveau 30, si vous avez 3 au niveau 30, vous aurez ceci, les résistances au contrôle. Et ça descend, jusqu'au niveau 10. Ça, je suppose que c'est pour l'événement spécial, parce que j'en ai pas encore vu. Donc, ça c'est les items normaux, ça c'est, vous recevez parfois des items N, ça avec l'événement de pangolin, souvent. Et donc, pour les améliorer, vous cliquez dessus, améliorer, il faut un certain nombre d'items, plus ceci, et vous le passez au niveau suivant. À chaque fois que vous montez de niveau, il y a une amélioration, ça vous coûte un certain nombre de ressources. La coopération peut aussi augmenter, vous voyez, le tireur contre porteur, plus vous allez monter, plus les niveaux ici vont en fait augmenter. Ce sera coopération 1, et que ça fera être coopération 1, une étoile. Donc vous voyez la différence à chaque fois. Je suppose que ce sera la même chose pour les autres coopérations, mais je n'ai pas encore ce niveau pour vous le montrer. Donc les acquisitions, donc comme je vous avais dit, les packs, l'épreuve de courage, c'est le pangolin, les transformations, les missions quotidiennes et l'event. Qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons la tête qui augmente l'attaque, le corps qui augmente la défense, et l'abdomen qui augmente la santé. Je pense que c'est pareil pour les 3. Oui, je vérifie avec vous, mais c'est pareil. Dans les slots ici que vous avez à gauche et à droite, donc quand vous avez coopération 1 et coopération 2, vous aurez ces items-ci. Vous voyez, plusieurs sortes. Moi, j'ai mis l'attaque de l'envahissement pour les gardiennes, la santé en garnison pour les tireurs, parce que je joue essentiellement tireur. Et la santé en envahissement pour les porteuses. Voilà, c'est un choix, mais vous savez les changer. Donc vous faites ceci, remplacer, et vous mettez par exemple, si vous allez sur l'île, ben, combattre avec les gardes avec cette saison attaque plus 3%, ben, ça veut dire que vos porteuses vont attaquer plus 3,4%. Ça peut être pas mal. Les dégâts sur pangolin, les dégâts sur la marmotte. Donc vous voyez, il y a moyen de faire pas mal de petites combinaisons sympathiques. Et je suis encore loin d'avoir des niveaux 10 partout. Donc voilà, je vérifie. Voilà, ça c'est les stats qui sont pour l'instant chez moi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je pense qu'on a fait un peu tout le tour, hein. Donc on peut regarder les coopérations pour les tireurs. Donc vous avez la défense tireur contre porteur, défense de tireur, des dégâts d'attaque normal. Ça peut être intéressant. La vitesse de combat, les PV, ce serait bien d'avoir ce niveau-là.
Oui, il faut quand même monter niveau 25. Ça vient de prendre un peu de temps. La résistance de contrôle. Ça va vraiment changer la donne sur les formations qui jouaient Dangro, Nun Bambou et Jack, parce que résistance au contrôle, à un moment donné, le Dangro va être beaucoup moins efficace. La santé des soldats tireurs, donc ça fait. Par contre, je ne vois pas la différence entre santé et PV. Je suppose que c'est la même chose, l'erreur de traduction. Et les dégâts de compétences, vous voyez, si vous avez au moins 3 skills au niveau 50, vos niveaux de compétences, c'est vraiment un arbre qui va vraiment changer la donne. Donc voilà, j'espère que toutes ces infos vous auront été. Je vérifie une dernière chose. Non, vous voyez, ça ne change rien. Une fois que vous montez niveau 10, ça suffit. Bon, je suis niveau 25, j'ai que ce bâtiment à monter, donc il est vite monté. Donc voilà, voilà. Donc les coffres, pour rappel, vous voyez, vous cliquez ici, via les packs, l'épreuve de courage, c'est les pangolins, mission quotidienne. Donc c'est important, hein, les missions quotidiennes, pour rappel, c'est ici et c'est ici. Voilà, vous recevez des items comme ceci. Vous en recevez un et vous pouvez les ouvrir par 1 ou par 5, si je ne me trompe pas. Ouvrir une fois, ouvrir par 5, je ne sais pas si ça change vraiment quelque chose. Mais voilà. Voilà, voilà. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, un bon jeu. N'hésitez pas à liker, à partager, à poser des questions si vous voulez. Je vous souhaite une bonne journée. Bonjour à tous, à bientôt. Salut, salut.